Déjà on gagne, je suis content, et en plus je mets doublé, donc double jeu aujourd'hui. Et en plus, ça se chauffe. En plus, après, ça me fait mal parce que voilà, je connais tout le monde, même le gardien, je le considère comme mon petit frère aussi, donc j'ai fait 4 ans avec lui, 4 ans dans la même chambre. Donc ça me fait mal un peu pour lui, mais après, sur le terrain, il n'y a pas d'amis. Hein. Ouais, en fait, je dis à Dylan Chambos qu'il se mette avec moi, parce qu'au début, il place le mur pour un gaucher. Et je me dis qu'il va penser que ce soit Dilou qui va le frapper. Du coup, je me sentais, du coup, je lui dis à Dilou de me la laisser. Et après, elle part bien et elle finit au fond. Ouais, c'était pas facile, franchement. C'était presque injouable sur le terrain, on voyait rien. Même, on faisait 5 mètres, on avait la neige pleine, les crampons, donc c'était pas facile. Mais on a su répondre présent dans les duels. C'est ce qu'il fallait face à une équipe comme Sochaux. Donc, dans l'ensemble, c'était quand même un bon match. C'est sûr qu'aujourd'hui, il fallait faire peut-être un peu moins de beaux jeux. Et c'est ce qu'on a fait en deuxième mi-temps. Je pense que à 2-1, je pense qu'on a compris qu'il ne fallait pas prendre de risques. On a mis un peu des pétards devant. Mais après, c'est notre philosophie de jeu et le coach ne veut pas qu'on change. Donc, qu'il pleut, qu'il neige ou qu'il y ait du vent, je pense qu'on continuera ici à jouer au foot. Ouais, bah, on savait que devant, c'était des flèches. Donc, ce qui nous fait défaut, c'est sur une perte de balle. Et c'est un peu notre défaut cette saison. Parce qu'on sait qu'on a un jeu à risque. Et on savait que devant ça allait vite, après ils mettent un beau but. Mais on a senti un groupe qui n'a pas paniqué, qui était solidaire. Et voilà, on obtient ces pénalties. Ça nous sourit aujourd'hui. Voilà, ben nous on avait une petite revanche à prendre, moi aussi personnellement, parce que voilà, j'ai fait 4 ans là-bas, donc je ne voulais pas faire de défaite. Mais je pense qu'ils peuvent aller plus haut et je leur souhaite. Ouais, ça nous avait fait défaut l'année dernière, le mois de janvier. Là, on avait à cœur de refaire une série après le match de Grenoble. On ne gagne pas à Dunkerque, mais si on fait mieux à l'extérieur et qu'on gagne à domicile, je pense que c'est bien aussi de continuer la série. Après, il y a des matchs importants qui vont arriver, ça enchaîne, donc bien se reposer et prendre match après match.